Jeudi 21 septembre, mon chaleur amis, et c'est pour moi un plaisir de commencer avec vous. Dans le sabbat, pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Mais à rappeler le thème semaine, c'est guerroyer pour la paix qui c'est étude numéro 13. Mais quant à jeudi, à nous parler ensemble, pratiquer la prière sur le champ de bataille. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénis, nous exaltons, merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Et vous encore compter réaliser dans la vie. Maintenant, au Père, nous pourrons étudier ensemble parole. Nous avons besoin de Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence, nous, pour ça nous va comprendre, et puis mettre parole sur l'application. Fais grâce à l'Écrit, nous sauvez-nous. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amis, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage, ensemble d'efforts que vous-même, vous consentez jour après jour, pour être capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études, l'école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois que vous étudiez, plaisir, pam, c'est toujours. Encouragez-vous pour partager étudier avec un entourage, comme ça vous êtes capable de faciliter plus de monde, arriver et étudier les leçons école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, je vous fais ça kounya et puis à encourager l'autre monde, faire même gens avec vous. Étudier maintenant, c'est numéro 13, Guerroyer pour la paix, verset à mémoriser. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 16 et 17, qui est ce texte. Pour nous qui bien tête, nous, dans l'étude semaine ça. Jeudi, c'est jeudi 21 septembre. Nous allons ensemble pratiquer la prière sur le champ de bataille. C'est thème ça que nous allons ensemble jeudi. Et bien, nous, Paul a conclu avec exhortation qu'il y a fait autour du combat. Paul exhortait croyant yo en tant que soldat pour yo capable prendre part à la prière et la prière son bagage important non seulement yo de prier mais yo de persévérer dans la prière et non seulement persévérer dans la prière c'est pas prier seulement pour tête yo mais c'est prier pour tout croyant yo dans Éphésiens 6 verset 18 Paul dit prier pour tous les saints et non seulement prier pour tous les saints mais Paul pral porter une précision pour prier pour lui-même personnellement en tant qu'ambassadeur qui est emprisonné. À rappeler lorsque Paul t'a écrit et ben livre ça ou bien épître ça pour Éphésiens, Paul était en prison. C'est-à-dire Paul mandait avec Éphésiens pour prier pour tout croyant yo et pour prier pour lui-même personnellement qui trouvait lui en prison en tant qu'ambassadeur de Christ. Mais ben, appelle ça à la prière et nous capable considérer les comme étant et comme étant une extension de l'imagerie militaire, puisque l'appel à Dieu, faire appel avec Dieu, ou bien, non parler des vrais dieux, gagne tout. C'est dans des faux dieux que vous croyez, dans des idoles, c'est-à-dire dans la prière, c'est-à-dire faire appel avec bon Dieu, qui c'est le vrai Dieu, avec Dieu, en parlant du vrai Dieu, et l'autre faux Dieu dans la prière, c'est une pratique courante littérale. Non, un champ de bataille, c'est-à-dire quel que soit peuple là et bien qui prend la bataille, il a toujours fait appel avec Dieu que yo croit la donne. Ça c'est une pratique courante l'été et bien dans le temps lorsque et bien peuple te connait pour aller dans bataille. Sinon pour comme exemple dans Bible là, suite avec une exhortation au combat de Jacques Aziel, nous Josaphat lorsque plusieurs nations te viennent attaquer et bien, pour être capable de détruire Judas, qui s'est passé Noé, et bien, et Josaphat, avec tout le peuple Judas, et bien, il était prosterné devant l'Éternel, il était adoré l'Éternel, il était adressé avec l'Éternel dans la prière. Nous j'ai une parole ça dans 2 Chroniques 28, vers 2 Chroniques 20, plutôt verset 18. Bien que la prière, ce n'est pas une septième pièce, et dans les âmes que nous avons pour la ban nous, ou bien pour la exhorter nous pour nous capables en tant que chrétiens mais nous la prière fait partie intégrante de l'exhortation au combat et de la métaphore militaire de Paul et bien dans la première des deux demandes de prière c'est-à-dire nous Paul fait deux demandes de prière une pour tout croyant et l'autre là pour lui personnellement et bien nous Paul encourage les croyants pour être capables fait ça nous les des prières ferventes, c'est-à-dire des prières qui sont sincères, et bien urgentes et persévérantes. C'est-à-dire, il doit prier, la prière là doit être sincérité, prière là doit être urgente et prière là
Donc, de persévérer là-dedans. Et nous avons fait toute bagarre ça, pas seulement pour tête nous, mais pour si là, qui n'a entourage nous pour freiner l'action. Et bien, Paul montre si l'Église là voulait réussir dans le combat qu'elle est liée là, je veux dire, contre toute puissance mal, et bien, l'Église là doit pratiquer ça, nous voulons la dépendance à Dieu par la prière inspirée par l'Esprit. Et deuxième requête que notre Paul t'a adressée, deuxième demande que Paul t'a fait, et bien, il t'a demandé avec l'Église d'Éphèse pour être capable de prier pour lui personnellement. Pour qui ça pour prier pour lui, il demandait pour prier pour lui parce que pour lui la parler, pour bon Dieu capable vous ébaler de bons messages pour que pour le capable parler non seulement pour le bon message dans un bon moment, pour chaque fois l'ouvrir bouche lui, et bien pour monde qui a possibilité pour visiter le côté de la prison pour qu'il soit capable et bien faire monde connaît ça nous la parole de Dieu. Eh bien, fais mon Dieu connaître à nous le mystère de l'évangile. Ça, c'est le thème que Paul toujours abordé. Eh bien, nous, la dernière expression, ça, il fait référence à ça que nous sommes capables de le secret de Polichinelle de l'intervention de Dieu en Christ pour capable racheter juifs et gentils et venir faire venir un seul monde. T'as un grand signal. De comme un signal de grand plan que bon Dieu gagne pour qu'il est capable de réunir toute bagaille en Christ. Nous qui plusieurs textes là que nous prenons. Nous prenons pas ce texte en revue parce que tout texte ça parle de la prière que nous gênons dans le Nouveau Testament. Il a tout exhorté nous à la prière. Essayez de regarder dans tout texte que nous prenons là. Qui est-ce là d'ailleurs qui inspire au plus et pour qui ça? Ça c'est une réflexion personnelle. C'est pas réflexion et personnelle dans la leçon, non, réflexion que nous avons dans la leçon, non. Mais et question ça c'est pour même personnellement. C'est-à-dire ou pour les textes ensemble avec moi, ou regarder qui est là de qui inspire au plus et pour qui ça. Premier texte ça c'est Luc chapitre 18 verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma part adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, nous, comment Jésus venait avec un exemple pour capable montrer comment nous, ensemble avec vous, nous pas de prier, nous pas de relâcher dans ça, nous, la prière là. Deuxième texte, c'est Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, laissez-nous garder tout texte. Même personnellement, et Luc 18, verset 1er, il a attiré l'attention de ma belle. C'est ok? Jésus adressait parabole ça pour montrer que nous devons toujours prier et nous parler de relâcher dans la prière. C'est-à-dire, pour un chrétien, rester chrétien tout bon, il parle de relâcher dans la prière. Eh bien, la réflexion que nous gagnons dans le cadre étudiant, qui ça dit? Pourquoi les croyants sont-ils souvent invités à s'engager dans une prière sincère et persévérante? Pour qui ça, croyant,
yo souvent invité pour capable engager dans une prière sincère et persévérante. Bon, moi-même qui ça me capable dit c'est que la prière c'est un point crucial pour chrétien. OK? Et c'est un point crucial parce que chrétien les non bataille contre un ennemi. OK? Et nos batailles spirituelles contre un ennemi surnaturel et désastreuse, et un ennemi qui est réel. Il y a des gens qui disent que Satan va exister. C'est comme ça ennemi a distrait pour qu'il fait salver ensemble avec eux. C'est-à-dire, nous, ouais, à travers l'étude de Dieu, a montré nous pour qui ça croyant, pour qui ça nous, en pile texte en Bible, toujours, pourquoi j'y croyant, vous êtes capable, sincère et persévérant dans la prière, c'est que. Métaphore que Paul utilise à l'ébat deux éléments de réponse, c'est que nous trouvons nos batailles spirituelles contre un ennemi surnaturel et désastreuse, un ennemi surnaturel désastreuse et qui est réel. Deuxièmement, les promesses de force et de victoire de Dieu sont illustrées par l'imagerie de Paul que nous venons dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Eh bien, prière sincère et persévérante, libère nous occasion pour nous capables écouter attentivement et écouter attentivement et promesse bon Dieu et puis célébrer et remercier bon Dieu pour ressources de grâce. Ça veut dire nous moi-même ou même nos guérisons en tant que croyants pour que nous capables persévérer dans la prière. Et bien nous la prière là c'est il fait partie de force motrice ou bien force intégrante dans la vie croyant. Eh bien, je dis à nous d'apprendre ensemble, pratiquer la prière sur le champ de bataille. Nous bénissons l'Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous jour après jour pour nous capables comprendre et puis mettre parole sur en application. Fais grâce à décrire nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite déjà une bonne journée, bonne étude et à la prochaine.